Tu préfères le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui débute, qui n'a jamais fait? Attends, on a bon rire. C'est le piège. Tu me pièges là. C'est pas le piège. Oui, je suis le piège. Tu vas diffuser les choses. Ok, moi je préfère le faire avec une fille expérimentée. Seigneur! En fait, je préfère le faire avec une fille très très expérimentée. Je suis choqué! Continue. Tu préfères le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui n'a jamais fait? Il s'agit de faire quoi exactement? What? Ça dépend de comment tu entends. Tu entends faire quoi? Naturellement, on aime bien faire, peu importe ce que c'est, avec une personne qui s'y connaît déjà. Oui. Donc, ce qui veut dire que quand c'est avec quelqu'un qui n'est pas expérimenté, ça demande beaucoup de travail, ça demande à ce qu'on apprenne encore la personne à zéro. Oui. Bien que parfois, c'est excitant. Hein. Oui. Bon, naturellement, mais mon choix particulier, c'est que ça soit avec une personne qui soit expérimentée. Une personne expérimentée. Peu importe le domaine, bien sûr. Peu importe le domaine. On reste dans le suspense. Je te remercie, mon frère. Merci. Tu préfères le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui ne s'y connaît pas, qui n'a jamais fait? Ok, moi je préfère le faire avec une fille expérimentée. Pourquoi une fille expérimentée? Tout le monde me dit expérimentée. Et ceux qui n'ont jamais fait, quand est-ce qu'elles vont découvrir? Vous savez, dans toutes choses, il faut toujours avoir, comment dirais-je, il faut toujours avoir un peu de l'expertise. Oui. Un peu ça. Et celle qui n'a jamais fait, si elle arrive, tu dis... Bon, vous savez, pas forcément non. Il faut seulement faire avec, comment dirais-je, le moyen de bord. Mm-hmm. On va essayer un peu de faire avec. Oh, tu vas t'accommoder. Oh, justement. Je te remercie, mon frère. Merci aussi. Vous préférez le faire avec un gars expérimenté ou avec un gars qui n'a jamais fait? Avec un gars expérimenté. Pourquoi un gars expérimenté? Parce qu'il a de l'expérience. Et par rapport à celui qui ne l'a jamais fait, c'est comme si... C'est moi qui devais faire tout le travail. Oui, mais en même temps, tu l'apprends aussi. Non. Parce que si tu refuses de l'enseigner, comment il va faire pour devenir aussi expérimenté? Il va aller se chercher ailleurs. J'ai pas le temps. Il se cherche ailleurs, mais pas avec toi. Pas avec moi, j'ai pas le temps. C'est pas de réponse. C'est pas dans tes... D'accord. Je te remercie. Je vous remercie. Merci. Tu préfères le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui n'a jamais fait? Moi, une fille expérimentée. Pourquoi pas une fille qui n'a jamais fait? Là, ça serait un peu comme tu... Pas fait la maths avec un garçon de la cile. Tu peux un peu être plus clair. Déjà, quand tu peux faire venir chez expérimenter, tu n'as pas trop fait, tu t'agites pas trop. Mmh. Ou tu ne connais pas Ted. Ted. Ouais. Donc tu préfères une fille expérimentée parce que vous complétez. Voilà. Non, elle me manque, pas qu'on se complète, elle me manque. Non, tu ne connais pas encore. Non, je peux dire que je ne connais pas encore tout parce que tu as bien dit expérimenter, ce qui fait l'autre dessus. Mmh. Ouais, c'est ça. Je te remercie, mon frère. Je merci beaucoup. Tu préfères le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui ne s'y connaît pas, qui débute? En fait, je préfère le faire avec une fille très, très expérimentée. Très. Tu mets deux fois très devant. Ouais. Et pourquoi ça? Parce qu'avec une fille qui n'est pas expérimentée, c'est comme un peu temps, tu te fatigues et tu n'as pas, comment dire, tu ne vas pas atteindre certains désirs que tu aimeras atteindre. Quoi. Mais ça ne pose pas un problème aussi. Si tout le monde finalement aime les filles expérimentées, quand est-ce la fille qui n'est pas expérimentée va aussi devenir expérimentée? Mais alors là, bon, c'est dans la mesure que toi, alors tu peux peut-être te porter garant pour l'expérimenter alors. Mm-hmm. C'est à cette mesure-là. D'accord, mais ta préférence, c'est beaucoup plus les filles expérimentées. Expérimentées, voilà. D'accord, je te remercie. De rien. Merci. Tu préfères le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui débute, qui n'a jamais fait? Attends, on a bon rire. C'est le piège. Tu me pièges là. C'est pas le piège. Oui, je suis le piège. Tu vas diffuser les choses. L'expérience est toujours bien. L'expérience est toujours bien. Oui, c'est toujours bien. Mais après, apprendre aussi
apprendre aussi à d'autres personnes, apprendre à expérimenter, c'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose. Voilà, donc je dirais les deux sont bien. Oui, mais ta préférence, on est dans le cadre. Je n'ai pas forcément de préférence. Parce que je pense que la préférence, elle peut se faire, je vais dire, genre, c'est sur le long terme. Ce n'est pas là comme ça au pif. Oh là, comme ça au pif. Tu ne sais pas forcément si c'est une personne expérimentée ou pas. Tu ne sais pas forcément. Vous êtes dans le flou de l'action et puis ça sort comme ça sort. Parfois, c'est après que tu te rends compte, ah tiens, c'était une personne expérimentée. Tiens, c'est pas, donc voilà. Je te remercie, mon frère. Merci, Ouski. Vous préférez le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui n'a jamais fait? Avec une fille expérimentée. Pourquoi une fille expérimentée? Vu une fille expérimentée, parce que elle, d'abord, elle a de l'expérience. Oui. Elle est d'abord plus mature que vous sur le plan sexuel. Mm-hmm. Donc, elle peut vous apprendre quelque chose. Elle peut vous apprendre quelque chose. Donc, dans la vie, on apprend, on ne cesse d'apprendre de quelqu'un. Et quand est-ce alors la fille qui n'est pas expérimentée va devenir expérimentée? Si tout le monde veut les filles expérimenter. Donc, à chacun son goût. À chacun ses préférences. D'accord. Il y a quelqu'un qui va aimer celle qui ne s'y connaît pas, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Je te remercie. Est-ce que vous préférez le faire avec une fille expérimentée ou avec une fille qui n'a jamais fait? Bon, ça dépend. Moi, je peux choisir la fille expérimentée. En allant avec elle, je gagne en expérience. Elle peut t'apprendre comme tu peux l'apprendre. Et puis, c'est encore plus facile d'aller avec une fille expérimentée qu'une fille non expérimentée. Donc, tu préfères une fille expérimentée? Ouais. D'accord. Merci.